It's nice to have a catch up with that. And for anyone who does have questions, Jeff will be on the panel at 11:15 to answer some of those questions. Jeff, just briefly, David Martell is asking if he could maybe have a copy of your slides. So I said we'd follow up with him directly for that. So I'm going to move on to the next talk. We have Maryam Perron. She's joined the River Report team back in March of this year. She had 2 weeks with us in person before COVID hit and we all started to work from home. We're delighted to have Maryam. She comes to the team fully bilingual. And so she's giving a presentation now on the Great River Report and she'll be doing it in French. I'll just get your slides up, Maryam, to share. And then you can get started with the talk. Okay. Bonjour, je m'appelle Maryam Perron. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter sur un projet que je travaille dessus tout de suite, qui est le rapport sur le Grand Fleuve. Est-ce que... Oh. OK, je m'excuse. Donc, le rapport sur le Grand Fleuve, pour ceux qui sont qui connaissent pas notre projet ici, c'est un rapport sur la santé des écosystèmes. Donc, c'est un rapport qui est inspiré par l'adresse de l'Action des Grâces des Haudenosaunees et c'est un projet qui vraiment est inspiré par le monsieur ici, Henry Lickers, qui a proposé qu'on encadre notre projet dans ce manière. Donc, le cadre de notre projet, c'est de suivre l'adresse de l'Action de grâce. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'action, donc l'adresse de l'Action de grâce à Haudenosaunee, c'est vraiment une salutation au monde naturel. Donc, c'est un remerciement, c'est une forme de remerciement aux natures et c'est vraiment une réalisation que nous, comme humains, fait partie et sont connectés à toutes les autres couches qui font le monde. Donc, encore, on travaille avec nos partenaires fondateurs qui est le Conseil des Mohawks d'Akwesasne. Donc, il y a plusieurs membres du conseil qui travaillent avec nous, mais il y a quelques membres qui font beaucoup de travail sur le projet. Donc, c'est encore M. Henry Lickers ici qui a proposé le projet et proposé qu'on cadre le projet dans l'Action de grâce. On a aussi Peggy Pike Thompson, Megan Mitchell, puis Abraham Francis qui travaillent beaucoup sur le projet tout de suite. Donc, le rapport sur le Grand Fleuve est un, comme j'ai dit, c'est un rapport sur la santé des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. Donc, le fleuve Saint-Laurent, c'est la seule sortie pour les grands lacs. Et les grands lacs tiennent un cinquième de l'eau douce à travers le monde. Donc, c'est un fleuve très significant. Et ça, donc, ça amène toute l'eau des grands lacs jusqu'au océan Atlantique. J'ai juste un peu de... Oh, Mama. Lee, sorry, I'm having a trouble switching the slides. Okay, I'll just advance them for you. Okay, I'll see. Donc, ça, c'est une figure ou un carte plus proche, un aperçu plus proche du fleuve. Donc, ça, c'est le lac Ontario, puis ça, c'est le fleuve ici. Ici, c'est notre ville de Montréal, et voici le golfe
du Sénérin. Donc, tous ces sept lignes bleues ici, ça c'est des cours d'eau tout autour du fleuve. And, next slide, please. Donc, nos projets de recherche, on aimerait regarder aux parties du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la partie de Kingston jusqu'au fin de Lake Saint-François. Donc, ça, c'est les sections qu'on propose de rechercher. Donc, on a divisé cette cours d'eau dans cinq sections. Next slide. Et la raison pourquoi on aimerait faire la recherche sur la santé du fleuve Saint-Laurent, c'est que la fleuve a subi beaucoup de changements historiques. Donc ça va vraiment avec la création du voie maritime, les barrages pour l'hydroélectricité. Aussi, on a eu beaucoup d'industries tout au long du cours d'eau. Les grands lacs, puis le fleuve Saint-Laurent est sujet de la contamination et la dégradation. Donc, en conséquence de cela, il y a beaucoup de changements dans la santé écologique du système. Next slide. Donc, ça, c'est des figures qu'on a déjà vues dans les diapos de Jeff, mais on va parler de ça en français. Donc, en 1987, un accord a été fait entre le Canada puis les États-Unis pour rétablir la qualité d'eau dans les régions les plus gravement contaminées. Donc, 43 régions ont été identifiées dans cet accord. Une de ces régions, c'est le fleuve Saint-Laurent. Voici une autre figure qu'on a vue dans les diapos de Jeff, mais c'est vraiment les secteurs préoccupants. Donc, on a un au fleuve Saint-Laurent, comme j'ai déjà mentionné, mais en vert ici, ça c'est le secteur préoccupant du côté canadien. Puis en bleu pâle ici, ça c'est la zone préoccupante du côté américain. Donc, ça c'est une figure qui vous démontre les gros industries qui étaient dans la région du secteur. Donc, ça, c'est représenté par les points rouges ici. Donc, pourquoi avons-nous besoin de rapports sur la santé du Haut Saint-Laurent? Donc, quand je dis Haut Saint-Laurent, je réfère au cours supérieur du fleuve, donc de Kingston jusqu'au fin de lac Saint-François. Donc, on aimerait vraiment augmenter l'intérêt et sensibiliser les communautés sur l'importance de la santé des écosystèmes et aussi que la santé du fleuve est directement liée au bien-être des humains qui se connectent avec le fleuve. Deuxièmement, on aimerait fournir des connaissances sur l'état du fleuve, donc quel était l'état dans le passé, quel est l'état maintenant, et comment pouvons-nous améliorer l'état à l'avenir? Donc, on veut vraiment inviter la communauté, particulièrement la communauté francophone, à s'impliquer tout de suite. Donc, quand je décris le projet, le rapport sera basé sur la science et les données scientifiques qui sont disponibles. On aimerait que le rapport soit de nature écologique et très facilement accessible au grand public. Donc, c'est un rapport qui est complètement visé pour vous, pour le grand public. Comme j'ai mentionné, c'est dans le cadre, on aimerait que le rapport sera inspiré par l'adresse de l'Action de grâce Haudenosaunee, où on entrelace les indicateurs scientifiques. Je vais parler plus à propos des indicateurs tout à l'heure, mais on aimerait entrelacer les indicateurs scientifiques avec les histoires pour communiquer notre rapport au grand public. Donc, en 2018, nous avons lancé notre site web. Donc, sur notre site web, on a un questionnaire qui vous demande qu'est-ce que vous aimez et qui vous préoccupe à propos du fleuve.
Donc, jusqu'à date, on a eu 420 répondants de notre questionnaire. Donc, la plupart des réponses viennent du Canada, mais on a aussi des réponses du côté américain. Et les résultats du sondage, donc quand on a demandé quelles activités aimez-vous sur le fleuve, la plupart des personnes aiment vraiment relaxer près du fleuve, aller nager, plonger, aussi aller en bateau, faire la pêche, la photographie, la chasse, puis aussi l'ornithologie. Mais il y a aussi, comme tu vois ici, il y a beaucoup d'autres choses que les personnes aiment beaucoup à propos du fleuve. Quand on a demandé au public quelles sont vos préoccupations par rapport au fleuve, bien, beaucoup de personnes se soucient des niveaux d'eau, de la qualité d'eau, puis la clarté d'eau, aussi les contaminants, puis la pollution du fleuve, l'érosion et le durcissement des rives, les sédiments, puis tous les animaux, puis les plantes dans le fleuve. Donc, je suis très heureuse de dire qu'on a commencé notre engagement avec la communauté francophone. Donc, on a eu notre premier atelier communautaire, ça fait un couple de semaines. Et c'est, avec les circonstances tout de suite, c'est un atelier en format virtuel. On avait 8 participants qui ont appris plus au sujet du rapport, mais aussi, ils ont partagé leur histoire à propos du fleuve. Donc, de ce atelier, on a demandé à la communauté francophone, donc les participants francophones, qu'est-ce qui vous préoccupe? Puis, ils ont indiqué qu'ils se soucient des populations de poissons dans le fleuve, de la qualité d'eau, des effets de la pollution en amont pour les animaux marins, comme les bélugas, puis aussi des communautés d'invertébrés dans et tout autour du fleuve. Donc ça, c'est en particulier les grosses choses qui préoccupent les participants de l'atelier. Donc, on aimerait vraiment que nos résultats soient facilement accessibles, comme j'ai déjà dit. Donc, c'est complètement visé pour la communauté. Donc, on va faire un rapport en forme de magazine, puis aussi sur notre site web. On aimerait faire aussi un rapport technique. Donc, ça, c'est un rapport avec toutes les données scientifiques, toutes les analyses statistiques, s'il y en a des membres qui sont intéressés dans ça. On aimerait fournir de l'information sur l'état et les tendances écologiques du fleuve, concentrer sur les sujets identifiés par le grand public comme étant importants et pertinents pour les communautés locales, présenter ce qui est connu et souligner où il y a besoin de plus de recherches pour éventuellement mener à des recommandations et à des plans d'action. Donc, c'est quoi un indicateur? Donc, quand je dis que j'aimerais que ce rapport soit facilement accessible au public, c'est aussi, j'aimerais dire que c'est aussi, on aimerait que ça soit facilement compris aussi. Donc, on aimerait faire le rapport en forme d'indicateur scientifique. Donc, un indicateur est souvent des représentations visuelles d'informations qui sont faciles à comprendre. Donc, on a nombreux d'exemples dans notre vie quotidienne et un bon exemple, c'est notre indicateur de peu d'essence. Donc, c'est vraiment une représentation visuelle qui est facile à comprendre. Donc, les indicateurs sont souvent utilisés pour les rapports de santé. Donc, ça, c'est des rapports qu'on a dans la région. Donc, le WWF, ils ont fait un rapport de tous les bassins versants tout autour du Canada. Donc, c'est vraiment une grosse région. Mais si on regarde au cours supérieur du Saint-Laurent, donc ça c'est notre région ici, ils ont choisi 4 indicateurs, donc le débit de l'eau, la qualité d'eau, les poissons et les invertébrés benthiques. Donc, ils ont conclu que
dans notre région ici, on a des données insuffisantes pour ces quatre indicateurs. On a aussi une carte de santé des Grands Lacs, donc c'est l'état des Grands Lacs. Ça, c'est tous les indicateurs ici, donc par exemple l'eau potable, les habitats et les espaces. Et chaque couleur correspond à une, si c'est bon ou c'est pas si bon. Donc tu vois que par exemple les espèces envahissantes, c'est de l'état médiocre. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'espèces envahissantes dans les Grands Lacs. Donc ça, c'est une représentation de l'état des Grands Lacs ici. La Nation Sud a aussi une carte de santé. Ça, c'est un exemple d'un des indicateurs qu'ils ont choisi. Donc, c'est la qualité de l'eau de surface. Puis chaque couleur encore, ça indique si cet indicateur est mauvais, passable, correct ou bon. Donc, tu vois que la qualité de l'eau dans la Nation du Sud, c'est peut-être plutôt de passable à mauvais dans cette région-là. Donc, c'est vraiment une plus facile à comprendre quand tu regardes aux figures. Ça, c'est une carte de santé c'est très bon. Ça s'appelle le plan d'action Saint-Laurent. Donc, ça, c'est une carte de santé du côté québécois du fleuve. Ça, c'est juste un exemple des indicateurs qu'ils regardent. Mais c'est vraiment la moitié du lac Saint-François jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Donc, ça couvre le côté du fleuve qu'on prépare du recherche dessus. Donc, la grande différence entre tous les cartes de santé qui existent déjà puis le nôtre, c'est qu'on aimerait vraiment inclure tous les retours d'informations du communauté. Donc, on aimerait choisir des indicateurs qui se connectent aux communautés. Donc, en 2019, on avait un atelier de sciences et données. Donc, on a invité tous les experts du région pour mettre en place des indicateurs qui va être important pour la communauté et aussi refléter à la santé du Saint-Laurent. Donc, ensemble, nous avons choisi 36 indicateurs pour commencer notre rapport. Donc, on a des indicateurs qui font par rapport au paysage, donc comme la couverture terrestre, les forêts, les milieux humides, le ruissellement agricole, l'habitat et les milieux riverains et le durcissement des rives. Donc, ça, c'est des indicateurs de paysage. On a aussi des indicateurs de l'eau, donc on regarde à la température d'eau, les niveaux d'eau, puis aussi les nutriments. On a des indicateurs de plantes, donc on va regarder aux communautés de macrophytes, puis aussi à les populations de phragmites et de quenouilles. On a plusieurs indicateurs de poissons. Donc, on va regarder où on regarde maintenant aux populations de plusieurs espèces de poissons, comme le esturgeon, l'anguille, le brochet, le perche chaude, le doré, l'enchigan et aussi le gobie à taches noires. On a aussi plusieurs indicateurs d'animaux. Donc, on va calculer des indices de diversité de macro-invertébrés benthiques, d'amphibiens, de poissons, un indice général de la faune sauvage, puis aussi un indice pour les communautés d'oiseaux. On regarde aussi aux populations de rats musqués, de tortues, d'espèces en péril, de balbuzards pêcheurs, le pygargue à tête blanche et aussi les cormorans. On regarde à des indicateurs on regarde aux contaminants et aux espèces envahissantes. Donc, on regarde généralement au nombre d'espèces envahissantes,
et on regarde plus proche aux moules zébrés. On regarde aussi à la contamination dans les sédiments, dans les invertébrés benthiques, dans les perches chaudes, dans les brochets, dans les poissons en général, puis aussi dans les goélands argentés. Donc, où est-ce qu'on est tout de suite? Donc, on est rendu aux troisième phase de notre projet. Donc, on a déjà sélectionné nos indicateurs, comme tu as vu dans les diapos que je viens de présenter, mais on aimerait maintenant mettre les histoires et les indicateurs ensemble. Donc, on a obtenu et on aimerait obtenir plus d'informations du public sur ce qu'ils souhaitent inclure dans le rapport. Donc, c'est vraiment un projet ouvert. On peut ajouter des histoires et tout ça n'importe quand. On aimerait obtenir des informations sur ce que vous aimez du fleuve et ce qui vous préoccupe et aussi entendre vos histoires à propos du fleuve. Donc, on revient à l'adresse de l'Action de grâce Haudenosaunee. Donc, comment est-ce qu'on va mettre les indicateurs et les relier à l'Action de grâce? Ben, on a déjà commencé cela. Donc, on a plusieurs thèmes écologiques qui vont avec l'adresse de l'Action de grâce. Donc, par exemple, la terre, mer et les eaux, c'est un thème de habitat et d'environnement. Les arbres médicinales, les plantes, les trois sœurs, les animaux, les oiseaux, ça va avec les composantes biologiques. Donc, on a identifié 10 thèmes qu'on peut mettre plusieurs indicateurs dans chaque de ces 10 thèmes. Ça, c'est juste d'autres exemples, dont la vie, donc les composantes biologiques, on va mettre les indicateurs de plantes, d'invertébrés, de poissons et d'animaux sauvages, ça va aller dans ce thème-là, et voici d'autres exemples. Donc, si on parle des indicateurs, quelles informations avons-nous rassemblées jusqu'à date? Donc, je n'ai pas le temps de présenter tout ce qu'on a fait jusqu'à date, mais voici quelques exemples. On a travaillé sur la couverture terrestre. Donc, ça, c'est le bassin versant du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent. Donc, comme tu peux voir, la plupart du bassin versant, c'est le forêt. Donc, à New York en particulier, on a beaucoup de forêt. Si on regarde plus proche au fleuve, on a beaucoup de terres agricoles. Donc, ça, c'est cette couleur orange ici. Donc, beaucoup de terres agricoles. Puis, tout autour du fleuve, tu vois une couverture terrestre de centre urbain. Donc, on a du terre développé. Tu peux voir beaucoup de terre développée ici au Ville de Montréal. Donc, on aimerait prendre ces données, ça c'est des données de 2015, et les comparer aux tendances historiques. Donc, comment est-ce que la couverture a changé dans le temps? Donc, on a aussi commencé à calculer la diversité de macro-invertébrés benthiques. Donc, on a des données pour quatre des cinq sections du cours supérieur du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est les sections ici. Et tu vois qu'au lac Saint-Laurent, puis aux régions de Cornwall, Messina, Akwesasne, on a une diversité plus bas. Donc, on a moins d'espèces d'invertébrés benthiques à ces régions comparées aux à Thousand Island puis au lac Saint-François. Si on regarde aux données juste pour le lac Saint-François, et ça va vraiment bien avec les diapos de Jeff, il y a l'air comme depuis 2005, on a une augmentation dans la diversité de macro-invertébrés benthiques dans le lac Saint-François. Donc, il y a l'air comme les conditions s'améliorent dans le lac. Ça, c'est un autre exemple pour les macro-invertébrés benthiques. Ça c'est l'indice Ilsenhof. C'est un indice qui reflète la pollution organique. Donc, tu vois encore le lac Saint-Laurent, puis la région de Cornwall, Messina, Akwesasne, a des indices un peu pauvres. Donc, ça, c'est une indication qu'il y a encore un peu de pollution organique dans ces régions-là.
Donc, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur ce projet. Donc, c'est un projet très... il y a beaucoup de collaboration. Donc, ça, c'est juste un petit montant des personnes qui travaillent sur le projet, mais on a des personnes de tout autour de l'Amérique du Nord qui nous aident à collecter les données, à écrire des histoires et prendre des photos et tout ça. Donc, on remercie tous les membres de notre équipe. Ça, c'est juste un aperçu des illustrations pour le projet. Donc, comme j'ai dit, cette rapport s'est visé complètement au grand public et on aimerait avoir des beaux visuels pour le projet. Donc, ça, c'est une artiste qu'on a, Victoria Ransom, d'Aquasasne. Elle va faire des très belles illustrations comme ça pour le site web et le magasin. On a aussi une autre artiste, Stephanie Hildebrand. Elle a pris beaucoup des photos que tu as vues dans cette présentation ici. Elle va faire des infographies des données scientifiques qui sont facilement accessibles. Donc, si on regarde à cet exemple ici, ça, c'est les populations de poissons. Donc, la ligne vert ici, ça, c'est la population de doré. La ligne bleue, ça, c'est la population de brochets. Et tu vois que peut-être la population de doré, ça augmente, puis la population de brochet, ça diminue. Donc, on aimerait faire des infographies comme ça qui sont faciles à comprendre, qui va vous donner les données scientifiques du fleuve, puis aussi des histoires qui vont avec ces données. Donc, où vous situez-vous? Comme j'ai dit, on a eu notre premier atelier communautaire en français. Donc, si tu es un membre du communauté francophone et tu es intéressé à apprendre plus à propos du projet et de participer dans un atelier communautaire, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Ça, c'est mon courriel ici. On aimerait aussi que la communauté francophone remplisse le questionnaire. Donc, ça, c'est notre site web ici, puis on a un questionnaire complètement en français et on aimerait vraiment savoir qu'est-ce que vous aimez à propos du fleuve et qu'est-ce qui vous préoccupe. Et avec ça, j'ai fini juste en temps, donc si vous avez, je ne sais pas, do we have time for question, Lee? Sure, you can have a couple of questions. Va essayer d'ouvrir. Oups. Marianne, I don't see any questions having come in though on the chat at the moment, but I will invite anyone who wants to ask you any questions to come back at 11:15. So it's just in half an hour when we do the Q&A. You'll be moderating the question time with me. So if anyone does have any questions in French or any questions for Marianne in general, join us back in half an hour. So.